Bonsoir et bienvenue à Espace public. J'espère que vous avez passé une belle semaine. On est tous très contents de vous retrouver. Cette semaine à l'émission, on a décidé en fait de réunir des personnes âgées et des jeunes, histoire de brasser un petit peu des préjugés et de les faire jaser. Alors, on va vous présenter le contenu, évidemment, de ces belles rencontres-là et dans quelles circonstances tout ça s'est fait. Alors, une belle rencontre à venir. Et un cinéaste vient de chez nous également, Alexandre Dostier. Une très belle rencontre à faire également. C'est parti pour Espace public. Je ne suis pas seul. Nous sommes nombreux. Nous sommes discrets, mais bien actifs. Tu peux être des nôtres, faire le ménage autour de toi, t'attaquer aux stéréotypes, aider les plus faibles. Tu peux être, toi aussi, un agent de changement et faire partie des... Destructeurs de préjugés! Salut! Je suis un destructeur de préjugés. Ouais. Il est le réalisateur de ces capsules qui vous seront présentées, d'ailleurs, sur nos TV Beauce-Appalaches. Alors, Olivier A. Dubois est avec nous. Bonjour, Olivier. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va, oui, ça va. Beaucoup derrière l'écran. Comment ça se passe, un travail de réalisateur en temps de pandémie? Il y a des hauts et des bas. Là. C'est pas toujours constant comme job, là, mais disons que je suis en préparation de d'autres choses de ces temps-ci plutôt qu'en tournage. Là, ouais. Les projets continuent d'arriver aussi. Hein? La créativité, ça prend pas. En tout cas, on souhaite que ça prenne pas de pause trop longtemps, là. C'est clair, ça continue, puis des vieux dossiers qu'on réouvre, mm-hmm. puis on travaille, on peut pas arrêter, hein? Non, exactement. Puis des fois, en nourrissant justement tout ça, bien là, whoop, il y a d'autres belles choses qui peuvent aussi popper à ce moment-là. Oui. Des capsules, j'ai envie de dire, sur un sujet particulier, mais nécessaire. Alors, on parle de capsules sur les préjugés vis-à-vis des personnes âgées, ou du moins pour défaire ces préjugés-là. Est-ce que je l'exprime bien? Oui. C'est bien exprimé, c'est exactement ça. Des capsules, on avait le mandat de détruire certains préjugés. Donc, on a commencé par faire un travail de recherche pour essayer de voir c'est quoi ces préjugés-là auprès de jeunes. Puis, c'est ça. Ensuite, ça a été de rassembler des jeunes et des plus vieux ensemble pour essayer de discuter puis de détruire ces préjugés-là ensemble. Ouais. Comment ça s'est fait, justement? Parce que c'est d'une chose, peut-être, de nommer le préjugé ou de donner notre idée, mais après ça, d'en parler devant les gens principalement concernés, comment ça se passe? Bien, ça se passe bien. Franchement, ça s'est bien passé. C'était surprenant. On a eu des super bons acteurs, si on veut. En fait, je devrais plutôt dire des intervenants parce que c'était comme sous forme de reportage, un peu de documentaire. Mais non, ça s'est bien passé. Des jeunes très allumés aussi. C'est sûr que nous, de notre côté, bien, il fallait qu'on pose les bonnes questions. Mm-hmm. C'est sûr que dans la capsule, c'est un peu comme si c'était les jeunes qui pensaient à tout. Mais disons qu'il y a un gros travail derrière tout ça d'essayer de mettre en place les bonnes questions pour arriver à nos fins, hein, à détruire ces préjugés-là. Ouais. Donc, à ce niveau-là, bien, on a été surpris aussi des réponses des personnes âgées aussi, puis agréablement surpris, franchement. Est-ce qu'on peut donner un exemple, par exemple, là, d'un thème qui a été abordé? Bien, c'est sûr qu'on a parlé de la sexualité chez les personnes âgées. Alors, juste ici, j'ai une petite capsule qui renferme un préjugé que nous allons détruire ensemble. Ça m'a été confié par les destructeurs de préjugés. Et les destructeurs de préjugés voudraient savoir si c'est vrai que les personnes âgées sont conservatrices dans leur manière de concevoir l'amour et la sexualité. Un beau défi. Alors, pour ce défi, j'ai préparé des questions. Ben, shoot, ma grande. Shoot, ma grande! J'aime déjà ce type. On l'a twisté un peu parce que, bon, on ne voulait pas que ça soit comme trop. Est-ce que les vieux ne font plus de sexe? D'ailleurs, mm-hmm. L'animateur le dit comme ça dans la capsule. C'est ça. Dans le fond, on voulait quand même savoir un peu qu'est-ce qui se passait à ce niveau-là. Et puis, on trouvait que c'était un sujet qui était assez attrayant puis intéressant, mm-hmm. même actuel. Tu sais, tout le monde tourne un peu autour de ces sujets-là.
Fait que, ben c'est ça. Dans le fond, on a mis ça en place. Donc, c'est un des sujets. Puis, on s'est dit par après que ce serait bien d'avoir l'avis aussi de, d'une femme. Parce qu'au départ, on avait seulement un homme. Puis, il a fallu comme trouver le sexe féminin pour parler de sexe en général. Puis, ben, ça a été un beau défi. Puis, on a été vraiment surpris. On n'a pas mis des mots dans la bouche des personnes. C'est vraiment eux qui se sont exprimés du mieux que... qui pouvaient sur le sujet. Puis, je pourrais peut-être ajouter aussi que les personnes âgées n'avaient pas les questions. On dit qu'on a travaillé fort, mais c'est vraiment comme les jeunes avaient les questions pour se pratiquer un peu, puis on leur demandait d'être un peu intervieweur, de mettre un peu du sien. Mais par contre, les personnes âgées savaient le thème, mais ne savaient pas les questions. On ne voulait pas s'embarquer là-dedans pour pas qu'ils se préparent trop. Donc, on voulait une réponse un peu plus à chaud à ce moment-là, plus peut-être spontanée, naturelle. Exactement, parce qu'on la connaît, l'erreur. Tu sais, t'as beau dire à quelqu'un, bon, je vais te donner une question, mais prépare-toi pas. Habituellement, les gens écrivent. Oui, on formule le tout. Oui. Donc, ils pouvaient se préparer d'une certaine manière, mais pas nécessairement là, avec les questions directes. Qu'est-ce qu'on veut réussir à faire avec ces capsules-là? Bon, visiblement, passer un message, mais ouvrir la discussion, que les gens se parlent. Qu'est-ce qu'on aimerait qu'ils ressortent? Bien, je pense que oui, ça va être adressé vraiment comme à des jeunes. Bien, il faut le dire un peu, hein, notre public cible, c'était plutôt les jeunes de 15 à 25 ans. Donc, c'est pour ça un peu que la forme, on a choisi cette forme-là avec un super-héros dynamique, très entertainant, une forme humoristique un peu par moment, puis pour attirer là, l'attention de ces jeunes-là. Ensuite de ça, c'est sûr que ça s'adresse un peu plus à eux, donc c'est plus eux qui vont être questionnés comme tels. On essaye, mais on savait très bien qu'en questionnant les jeunes, ça allait intéresser les personnes plus vieilles un peu aussi. Là. Donc, ça allait effectivement là, soulever toutes sortes de questionnements à tous les niveaux. Puis, bon, on fait ça... De mon côté, en tout cas, je lance ça dans l'univers, puis j'espère que ça va générer quelque chose, puis ça va entraîner quelque chose de bien, de positif, parce que notre vocation est vraiment positive à la base. Tu sais, c'est que les gens se parlent, se découvrent, puis ouvrent un peu leur esprit. Là. Donc, voilà. Et je trouve que des fois, il y a des sujets un petit peu peut-être difficiles à aborder ou gênants, ou bon, peu importe la raison, d'avoir une capsule comme celle-là qui nous donne comme l'excuse de pouvoir en discuter. Donc, on la regarde ensemble et par la suite, bien là, c'est peut-être... La glace est cassée à ce moment-là. Là. Ben oui, ben oui. Sinon, ben regarde ça. Tu sais, oui, regarde, c'est ça. Regarde, j'ai vu ça à la télévision. Exactement. Ou j'ai vu ça sur le web. Non, c'est sûr que ça peut être bien. Puis je pense que beaucoup de gens aussi qui vont être un peu confortés dans leurs propres idées aussi. Mm-hmm. Ah, ben moi, je pense ça. Ah, ben moi, je pense pas ça. Tu sais, moi, je l'ai regardé... avec ma mère de 75 ans. Sa réaction, ça a été bien, mais c'est ça. Elle disait que je trouve que c'est un peu... Elle avait de la misère à voir un peu. Elle trouvait que c'était un peu... Elle trouvait que les gens, bref, avaient vraiment les bonnes réponses et disaient les bonnes choses. Mais là, en disant ça, elle dit « Ouais, mais toi, comment tu avais vu ça? Comment tu aurais fait ça? » Bien, c'est là aussi là, que ça... Que c'est intéressant, là. Oui, tout à fait. Alors, les capsules sont diffusées sur nos TV Beauce-Appalaches. Les gens pourront les voir de cette façon-là. Ce sont des capsules qui d'une durée... C'est environ 13 minutes. Okay. Sur le web, vont être partitionnés en deux. Donc, tu vas avoir partie 1, partie 2. Mais sur nous TV, ça sera 12-13 minutes environ. Ouais. Très bien. Vous parlez du web. À ce moment-là, les gens peuvent aller les voir sur quelle plateforme, comment ça fonctionne? Oui, ça a été mis hier, c'est tout chaud, ça a été mis hier sur YouTube. Vous tapez quelque chose dans le genre « Le destructeur de préjugés », puis il y a quelque chose qui devrait sortir là, par rapport à ça, ou peut-être par le lien aussi de l'Académie du cinéma. Oui, c'est possible alors on aussi. Pourra s'y rendre aussi. Mais merci beaucoup, oui? Je pense que les productions As de cœur aussi, parce que c'est comme une des divisions. Là, oui, oui, oui. Donc, à ne pas oublier As de cœur. Voilà. Bien, merci, Olivier, pour cet entretien. Puis, on a déjà hâte de voir les suivantes aussi. Bien, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci.
C'est le moment de discuter avec le cinéaste Alexandre Dosti. Salut, Alexandre. Hey, salut. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Et ça va super bien aussi, avec des racines beauceronnes, Saint-Honoré, pour être plus précise. Absolument, ouais, c'est ce rare spécimen. Et qui t'amène avec un métier incroyable à faire, de ce que je voyais, pratiquement le tour du monde, avec donc tes courts-métrages et tout ça. Qu'est-ce qui fait au départ, parce que je voyais ta feuille de route, c'est assez impressionnant. Qu'est-ce qui fait au départ de dire, bien, OK, moi, je viens de Saint-Honoré, le domaine du cinéma, ça m'intéresse, j'ai envie d'aller étudier dans ce domaine-là. Et comment, c'est quand même particulier, là, dans le sens où je veux emmener les gens sur le concept de peu importe d'où on vient, souvent on pense que ça part de Montréal, mais peu importe d'où on vient, quand on a un rêve, bien, on le nourrit. J'ai lu que tu avais étudié aussi au cégep de Saint-Georges. Et donc, tu es allé chercher un petit peu de tout pour être propulsé par la suite. Oui, bien, vraiment, je pense que c'est... c'est une autre de ces histoires d'entrepreneurship beauceron. Oui, hein? Honnêtement, parce que, tu sais, j'ai toujours aimé raconter des histoires. J'ai toujours été quelqu'un avec un profil assez artistique. Mais cette idée de faire du cinéma, pour moi, c'était tellement grand, ça dépassait tellement tout ce que je pouvais m'imaginer que j'ai pas... Même si j'ai toujours nourri des rêves, j'ai jamais vu ça comme quelque chose de possible. Puis j'ai pas étudié là-dedans non plus. Mais de fil en aiguille à comme saisir des opportunités de créer puis de bien s'entourer de monde qui ont le goût d'entreprendre comme nous autres, je suis rentré dans le milieu du cinéma, d'abord comme distributeur de courts-métrages. Puis ça, j'ai fait ça pendant 11 ans, en fait. Je viens de passer le flambeau. Ouais. C'est vraiment ce qui m'a ouvert la porte, du cinéma. Puis de là, j'ai regardé comment ça se passait. Puis à un moment donné, je me suis dit, je pense que moi aussi, je pourrais faire ça. Je pense que je pourrais être bon là-dedans. J'avais le goût de l'essayer parce que j'étais comme si je passe à côté de ça, je vais m'en vouloir toute ma vie. Tu sais. D'être autodidacte dans ton domaine, est-ce que tu as l'impression que ça t'a nuit? Tu sais, mettons par rapport aux autres qui peuvent avoir étudié dans le domaine, ils te voient toi arriver avec pas de diplôme, etc. Est-ce que c'est bien vu dans ce domaine-là ou pas vraiment? Ben honnêtement, je me suis toujours un peu foutu de ce que le monde pouvait voir ou penser. Puis ce que moi, j'en retire, tu sais, c'est mon expérience personnelle. Puis à date, elle m'a bien servi. Mais moi, je trouve que c'est un avantage de ne pas avoir fait les écoles, honnêtement. À la place d'avoir fait du terrain, d'avoir peut-être attendu avant de sortir mes affaires, attendu plus longtemps, mais observer plus. Puis aussi, l'école, tu sais, des fois, ça ouvre une certaine curiosité que certaines personnes n'ont peut-être pas. Puis ça, c'est bien. Mais moi, j'étais déjà très curieux. Puis je trouve que des fois, l'école aussi, ça formate ta façon de penser. Surtout quand on parle de sciences plus molles ou quand on parle d'art ou, tu sais, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, il y a quand même une grande part de subjectif là-dedans. Puis moi, j'avais plus envie de suivre ma curiosité, de rencontrer les gens qui m'inspiraient. De faire mes propres erreurs, puis de là, de construire une pensée qui était à moi autour du cinéma. Plus libre un petit peu peut-être que dans la structure académique. Oui, exact, c'est ça. De toute façon, j'étais un gars pas mal indépendant puis qui aime penser en dehors de la boîte. Fait que, j'ai fait un bac en communication sociale parce que je savais pas trop où je m'en allais dans la vie. Puis 3 ans d'université, c'était amplement pour moi. Fait que quand est venu le temps de toucher au cinéma, j'ai jamais pensé à j'ai pas assez de savoir, fait que c'est pas pour moi. J'ai juste fait mon éducation par moi-même, tu sais, écouter plus de films. C'est pas banal. Ouais, mais c'est pas banal, mais tu sais, quand on est drivé par quelque chose qu'on aime, puis tu sais, je suis sûr qu'il y a plein. D'où je viens, en tout cas, de cette bosse-là, j'ai connu plein de monde comme ça, tu sais. Puis du monde pas banal, d'ailleurs. Donc, tu sais, ça se fait tout seul, rendu là. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as un produit aussi entre les mains, là, tu sais, puis tu fais comme, OK, on va le présenter à tel ou tel concours, on va aller dans tel pays, on va... Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je sais pas si c'est assez de courage, parce que c'est quand même quelque chose, là, présenter le fruit de son travail, de dire, bien, on va aller faire juger ça, voir à quel niveau on est rendu puis comment on se situe. Comment ça arrive, ce processus-là, aussi dans ta carrière?
Ben, tu sais, le monde des festivals de films, c'est un monde qui grandit d'année en année avec l'Internet. Ça rend ça vraiment plus facile de partager notre travail dans des événements qui vont se dérouler dans d'autres pays un peu partout dans le monde. C'est pas gagné d'avance, tu sais. Moi, à l'époque où j'étais distributeur de courts-métrages, tu sais, t'avais des films qui pouvaient paraître dans un ou deux festivals au Québec, puis c'était tout, quoi. Puis il y a plein de raisons pour ça. Des fois, le film n'est pas assez fort. Des fois, c'est une question de timing, de ce qui est dans l'air en termes de ce que le monde veut le voir et tout. Fait que tu sais, c'est pas gagné d'avance. Puis moi, j'ai eu la chance avec mes deux films, Mutant, qui était mon premier court-métrage, puis là, je vais finir en prison, d'avoir un parcours vraiment exceptionnel, autant au Québec qu'à l'international. Là, tu vois, je vais finir en prison, on est rendu à 117 sélections à travers le monde. Plus de 30 pays différents, 26 prix. Puis pour moi, c'est vraiment ça, ma récompense. C'est vraiment... C'est important pour moi parce que ça témoigne de deux choses. Je pense de la qualité cinématographique de l'œuvre. Ça témoigne aussi de sa pertinence dans cette époque-là. Fait que l'œuvre, c'est s'inscrire au-delà de la langue qu'on parle, notre langue maternelle, au-delà de la culture très spécifique dans laquelle on grandit. Fait que ça veut peut-être dire que ce que je raconte, c'est des histoires même qui sont tournées en Beauce avec un langage très Beauce-Ronce, des histoires qui ont une fibre universelle. Bien, c'est ce que je voulais te demander aussi, ou en tout cas souligner, le fait que, bon, tu vas tourner en Beauce et tout ça, il y a de ces racines-là qui restent toujours très présentes. Là. Ah, absolument. C'est comme... Tu sais, c'est long, hein, processer tout ce qu'on vit, tu sais, dans une vie. Fait que moi, j'ai l'impression que je suis encore à processer mes trucs, la Beauce, même si je suis parti, j'avais 18 ans, tu sais, même si là, je continue d'y retourner de temps en temps. Tu sais, j'habite plus là depuis que j'ai 18 ans, mais ça continue de m'habiter. Vraiment, mon imaginaire, il est imprégné encore de plein d'images fortes. J'ai plein de fantômes qui me visitent quotidiennement puis qui sont des fantômes Beauce-Ronce. Ah, on en a des personnages ici, hein? Des gens qui sont inspirants, là, sans en ajouter trop, là. Ah, vraiment, vraiment. C'est une région avec tellement de caractère. Mm-hmm. Je pense que ça vient de ces gens qui vivent justement d'expérience, puis avec un vécu assez concret. Puis aussi... un langage super fleuri, puis il y a un plaisir à raconter. C'est vrai. Beauceron, tu sais. Puis moi, je suis pris avec ça, tu sais. C'est parfait, parce que c'est un plaisir pour nous aussi de le regarder. qu'est-ce qui change pour toi, là? Parce qu'évidemment, on est en pleine pandémie. Bon, à un moment donné, on comprend que les choses sont arrêtées ou un petit peu sur pause, mais est-ce que ça te permet quand même de pouvoir avancer quelques projets, de pouvoir continuer? Comment ça se passe concrètement pour toi? Ah, le temps passe quand même super vite. Tu sais, moi, j'avais la chance comme créateur d'être rendu à une phase plus de gestation en vue de produire de nouveaux projets. Fait que, donc, ça parle d'écriture, recherche. Donc, j'étais plus là-dedans. Fait que c'est ce que je nourris depuis un an. Puis en même temps, j'ai pris le temps aussi de faire le point un peu sur ma vie puis ma carrière, si on peut appeler ça de même. Puis, tu sais, j'avais comme cette opportunité-là depuis une couple d'années de décider de juste me consacrer à ma discipline artistique. Puis, ça voulait dire laisser derrière, tu sais, tous ces 11 ans comme distributeur de films. Puis, j'ai décidé de faire le move. Mm. Fait que, tu sais, tout ça, je voulais bien le faire. Je voulais passer le flambeau à la bonne personne. Fait que tu as eu du temps pour faire ça, là. Oui, exact. Puis, de me reposer un peu parce que... Tu sais, quand tu es travailleur autonome, quand tu es artisan, souvent, pour te constituer comme un gagne-pain, il faut souvent que tu jongles avec plusieurs balles. Oui, oui, puis ça roule vite, là. Ça roule vite, tu sais. Puis là, je voyais l'opportunité de prendre un petit peu de temps pour moi pour juste me poser, faire le point, puis faire comme me recharger batterie, là, avant 2021. Puis là, j'ai pris le temps de faire ça en fin d'année. Fait que là... Ça, c'est fait. Fait que là, t'es prête pour l'étape suivante, là. Yes! Fait que là, je pousse l'écriture encore plus. Théoriquement, j'ai une résidence en Europe tout le printemps. Fait que si je peux prendre l'avion,
Je vais passer mars et avril en France et en Allemagne pour écrire. Super. Bien, on te le souhaite, évidemment. Ouais. Les gens qui, malheureusement, n'ont pas vu encore le fruit de ton travail, de quelle façon, justement, on parlait de mutants tantôt, oui. De quelle façon on peut mettre la main sur ce que tu fais? Eh bien, mes deux films, puis d'autres trucs qui touchent à ma pratique, comme en poésie, puis je fais de la musique aussi, tout ça, vous pouvez trouver ça sur mon site Internet. C'est le www.alexandredostie.com. Puis de là, vous allez trouver mes projets de cinéma, musique. Puis c'est évidemment, si vous googlez aussi mes films, Mutant ou Je vais finir en prison, vous allez les retrouver sur des plateformes comme YouTube ou Vimeo. C'est déjà là. Je pense que le film Je vais finir en prison sur Vimeo a déjà 158 000 vues. Fait que les gens se parlent bien, de mots. Oui, je pense que oui. Ben, merci pour ces quelques minutes, Alexandre. Au plaisir de te reparler pour plein d'autres beaux projets. Puis c'est le fun de voir que tu as encore la flamme Boss Run. Hey, certainement. Puis merci de nous donner une voix, nous, les exilés Boss Run, mais qui ont toujours, justement, comme tu dis, cette voix et cette flamme-là. Ouais, là, ça fait vraiment plaisir de vous parler. Merci, Alexandre. Merci. Merci encore une fois à tous nos invités de cette semaine et merci à vous d'être fidèles au rendez-vous. Pour voir ou revoir nos émissions, notre page Facebook ou encore le site Internet de Nous TV Beauce-Appalaches. Sur ce, bonne semaine et à jeudi prochain.